Et si je pour soutenir la prise de décision et avancer l'ODD-4 sur l'éducation. Je suis Boren Chakroun, directeur pour la division de politique comme peut-être l'éducation au siège à l'UNESCO. Et je serai le modérateur pour cette séance d'ouverture. Avant de présenter les orateurs lors éminents lors de cette session, je voudrais vous rappeler que c'est un événement qui va durer sur 3 jours et mon collègue plus tard présentera l'agenda détaillé ainsi que l'organisation de l'événement. Alors, c'est un événement qui est là pour le partage des connaissances, un apprentissage par les pairs, mais également qui établira l'agenda. Il y a 3 faits qui sont très importants que nous devrons prendre en compte. Tout d'abord, qu'il y a des attentes très élevées par rapport aux systèmes de gestion de l'information, de l'éducation pour faire avancer les objectifs en matière de l'éducation. Deuxièmement, il y a besoin d'élever les des challenges, c'est-à-dire une participation de la communauté des enseignants, mais également le public en général. Quatrièmement, renforcer la coopération internationale autour des CIGE, et c'est ce que nous allons discuter comme faisant partie de notre rencontre aujourd'hui. Et je voudrais rapidement venir à la session d'ouverture. C'est un plaisir pour nous d'avoir 3 orateurs éminents avec nous. Nous allons entendre Madame Stefania Giannini, qui est la directrice générale de l'éducation au siège à l'UNESCO. Elle était ministre de l'éducation en Italie et sénateur au Parlement en Italie, mais elle a également été un leader dans de nombreuses initiatives en matière de l'éducation. Nous entendrons également Alice Albright, qui est le PDG du Partenariat mondial de l'éducation, le GPE. Elle a travaillé dans le domaine depuis plus de 30 ans. Elle mène le travail du GPE, de ce partenariat et les actions qui sont prises en particulier cette année par rapport à l'organisation. Last but not least, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à M. Chen Dae, vice-président senior du Huadong Cloud Education Group. Permettez-moi tout d'abord de commencer avec Madame Stefania Giannini et nous allons l'écouter pour sa présentation liminaire tout de suite. Madame, vous avez la parole. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur l'Imaginer l'avenir du système d'information de gestion de l'éducation, le CIGE. Ces 3 jours à venir, vous allez assister à des conversations très importantes sur la gestion des données éducatives. Aujourd'hui, plus que jamais, les données définit le paysage de l'éducation. Les données sont très utiles pour toute personne à tous les niveaux d'un système éducatif, pour les étudiants jusqu'à enseignants, les principales écoles, jusqu'à les officiers de planification. Planifier sans données, c'est aller avancer à l'aveugle. Donc, 24 millions d'apprenants sont en risque de quitter le système éducatif en raison de cette pandémie qui dure depuis 1 an. Il faut que nous essayions de ralentir cette tendance. Ces données sont très importantes, priorité pour l'UNESCO, ainsi que l'Institut des statistiques, la source officielle nationale des données sur l'éducation comparable à travers les pays. Avec le GPE, nous organisons la conférence en 2018 qui avait identifié les défis clés pour construire un CIGE fort. Et la crise du COVID-19 a révélé que davantage d'actions collectives sont nécessaires pour le rendre plus robuste et mieux adapté à l'âge des big data. Les données, l'éducation évolue constamment, change constamment. Beaucoup de systèmes font face aux défis pour essayer de rester à ce niveau avec les intelligences artificielles, blockchain et d'autres technologies de pointe.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'un siège intégré qui est résilient, même en temps de crise. L'expansion dramatique des problèmes d'apprentissage ont montré que les systèmes d'information dans de nombreux pays n'étaient pas préparés pour le soutenir, pour soutenir l'apprentissage et faire le suivi de la fermeture des écoles. C'est le défi auquel nous faisons face. Avec cette réalisation, maintenant il est temps de développer une communauté de pratiques au sein du CIGE pour l'inclusion et l'équité en éducation, la collection des données pour ceux qui sont marginalisés, analyser l'amélioration des résultats d'apprentissage. Ceci exige beaucoup de volonté politique forte, un engagement continu des États membres et de la communauté internationale. Nos outils pour faire le suivi de l'éducation doivent être au niveau pour répondre au temps changeant. Ensemble, pendant ce séminaire, nous allons planifier de façon proactive un siège plus proactif, plus robuste, mieux préparé. La conversation ne fait que démarrer. Nous allons apprendre des uns des autres et être inspirés des uns des autres pour permettre le progrès vers notre objectif global, l'éducation. Je vous remercie. Merci à Madame Stefania Giannini, assistante directeur générale de l'UNESCO pour l'éducation. À présent, on va passer la parole à Madame Alice Albright, directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation. Dear friends and colleagues, I'd like to start by thanking. Chers collègues, je voudrais remercier l'UNESCO de tenir cet événement si important. Je suis tellement heureuse que les conversations sur les systèmes de données ces jours à venir peuvent construire sur les travaux sur lesquels GPE et l'UNESCO ont déjà initié en 2018 avec le lancement de la première conférence sur les CIGE. En effet, il est encourageant de voir ce partenariat fort construit entre le GPE et l'UNESCO qui connaît un grand succès alors que nous travaillons ensemble à travers différentes parties prenantes autour de la table virtuelle aujourd'hui. La pandémie de COVID-19 a illustré le besoin de travailler en partenariat pour résoudre des problèmes. Entre avril et octobre de l'année dernière, GPE a approuvé presque 5 millions de dollars, dont accélérés pour le COVID-19 en 66 pays et 25 millions de dollars pour globalement pour l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale. 24 des dons pays ont donné le soutien aux activités liées aux données et le pays partenaire de GPE soutient pour établir un instrument de recueillement de données à Burundi et les efforts pour construire des éléments de preuve autour de l'efficacité des leçons à distance en Zambie. Alors, cette initiative de recueil des données, y compris le suivi, l'épreuve, l'apprentissage et la préparation pour les urgences futures. Alors que les pays autour du globe continuent à développer des stratégies pour adresser les conséquences du COVID, il y a une chose qui est tout à fait claire et certaine. La reprise avec succès exigera des systèmes de données forts. Et il est important de regarder au-delà de la pandémie, de voir comment les systèmes de données peuvent être utilisés pour créer des systèmes d'éducation plus résilients, améliorer les données et les éléments probants ouvriront d'opportunités pour souligner les leçons importantes, entreprendre des corrections des cours et d'aller encore plus loin et surmonter les barrières du passé, avoir une éducation inclusive. C'est pour ceci qu'il est important que les décideurs politiques aient des informations basées sur les éléments de preuve sur les politiques actuelles. C'est la raison pour laquelle les données et les éléments probants sont importants pour la nouvelle stratégie de GPE, GPE 2025 et notre nouvel mode opératoire. Les deux permettront de changer les systèmes. Suite à l'expérience positive dans les solutions de données en 2018-2019, cette table ronde, nous sommes prêts à explorer comment rejoindre de nos forces avec d'autres partenaires, en particulier dans la communauté de business et de fondation. Encore une fois, je voudrais remercier l'UNESCO pour tenir cet événement si important
en temps voulu. J'attends vos conversations, vos résultats et notre travail ensemble pour soutenir les pays partenaires alors qu'ils utilisent les données et les éléments probants pour aider à renforcer leur système éducatif dans le long terme. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite beaucoup de succès. Je remercie Alyssa Albright pour ses mots qui nous inspire. Nous allons entendre d'autres collègues du Partenariat mondial de l'éducation au cours de cette conférence. Je me tourne maintenant vers M. Dai Shan, vice-président du Whedon Club Education Group. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour, Madame Adjani, bonjour les officiers de l'UNESCO et bonjour les partenaires. Whedon Club Education, nous sommes très heureux et très honorés d'être invités pour participer à cette conférence et aussi partager un petit peu nos expériences dans le domaine de la gestion des systèmes d'information, de la gestion de l'éducation. C'est un sujet extrêmement important. Comme vient dire les deux responsables internationaux, vient de nous dire, la utilisation et la collection des data sont extrêmement importantes dans la gestion de l'éducation de demain. Whedon Club Education est une société chinoise et aussi un leader de la formation de l'éducation, non seulement en Chine, mais aussi en Europe et aussi en Afrique. Nous avons des différentes solutions, à la fois pour accompagner les pays pour concevoir leur système d'éducation et aussi formation professionnelle, évidemment avec une pensée initiale sur la partie gestion de données et aussi avec les différentes plateformes de gestion de formation avec aussi un matériel informatique. Ce qui est important aussi, nous bénéficions les différentes expériences que nous groupons en Europe, notamment Demos Ames Fraser et aussi notre Business School à Brest, dans le domaine de la recherche fondamentale de l'utilisation de données. Par exemple, à Brest Business School, nous avons des professeurs qui effectuent les recherches dans le domaine de Big Data et aussi intelligence artificielle. Nous savons que début le COVID-19 de l'année dernière, évidemment, la formation distancielle et la partie e-learning devient un vrai écosystème mondial. Donc, chaque institution, chaque fournisseur de formation participe à la construction de cet écosystème. Whedon Club Education, nous avons le plaisir de participer comme les premiers partenaires avec UNESCO pour lancer l'Alliance mondiale d'éducation. Et dans cette démarche, nous avons travaillé évidemment en Chine et aussi dans les pays asiatiques et aussi Afrique, et nous avons rencontré immédiatement avec nos partenaires la nécessité de l'utilisation des données pour analyser à la fois la pertinence, l'efficacité des systèmes éducatifs, mais aussi le retour sur investissement. C'est pour ça que sur cette combinaison intelligente de formation présentielle et aussi toutes les données et le contenu stocké en ligne dans le cloud, comme on peut dire aujourd'hui, il est important d'avoir un système d'analyse de données. Et Whedon Club Education, depuis 5 ans, nous avons travaillé avec nos partenaires, avec aussi nos clients, d'un système complet pour à la fois fournir des éléments de formation éducation, les cours, les contenus, les certifications, mais aussi travailler avec nos clients sur la collection des données, sur les analyses des données et surtout pour les aider à exporter ces données pour prendre les bonnes décisions dans la suite pour continuer à investir dans le domaine d'éducation et de formation. Ici, vous pouvez regarder les différentes données sont collectées à travers les différents projets de formation et par la suite, elles sont centralisées, analysées, interprétées et par la suite, ou émettre les rapports nécessaires pour encore une fois à la fois montrer l'efficacité des actions d'éducation, mais surtout pour aider aux partenaires de prendre de bonnes décisions par la suite. C'est votre niveau d'une ville,
ça peut être aussi au niveau d'une région et ça peut aller même au niveau étatique. Par exemple, en Chine, nous avons travaillé avec la mairie de Pékin, la mairie de Qingdao et aussi dans d'autres provinces comme Sichuan et Guizhou, travailler sur, au niveau par ville, l'ensemble de systèmes d'information aide à la bonne décision de l'éducation fondamentale. Avec, encore une fois, la collection de données de toutes les écoles digitalisées, informatisées, et par la suite, d'avoir le comportement d'apprentissage des élèves, et par la suite, aider aux décideurs politiques et aussi les spécialistes de formation pour améliorer leur pédagogie digitale. Car nous savons tous, la pédagogie digitale n'est pas seulement la copie de la pédagogie présentielle, il y a une vraie transformation avec, encore une fois, une façon différente d'enseigner et aussi pour les élèves, une façon différente d'apprendre. Ce qui est important aussi d'avoir cette bonne connexion entre les infrastructures sur place, dans les salles, dans les campus, dans les écoles et aussi l'infrastructure, on dit en cloud, qui sont des nerfs de la guerre, les data centers physiques et aussi data centers virtuels pour analyser les données. Comme vous savez que Weidong Cloud Education, nous avons notre propre data center à Qingdao et nous travaillons aussi avec nos clients, avec leur data center à Pékin, à Guizhou et aussi dans d'autres villes en Chine. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, c'est la sécurité de ces données aussi, la protection des informations confidentielles et surtout aussi parce que dedans, vous avez des informations à la fois concernant les élèves, concernant les professeurs et voire concernant les parents, car les parents jouent aussi un rôle fondamental dans l'éducation de leurs enfants et par la suite, ça permet encore une fois aux administrations d'analyser ces données et d'apporter de bonnes solutions par la suite. Un cas concret en Afrique, dans les pays, je dirais, en voie de développement, et ça correspond aussi par rapport à la priorité Afrique de l'UNESCO, qui est notre partenaire stratégique. Nous avons travaillé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour concevoir un système de formation et éducation dans le domaine professionnel et pour aider les jeunes artisans d'acquérir les nouvelles compétences. Donc, dans ce projet, il est intéressant de partager aujourd'hui avec vous, il y a à la fois le côté installation physique, car nous allons construire avec 13 campus de métiers, avec à la fois les salles de formation présentielle, avec les ateliers de fabrication et aussi avec les galeries marchandes présentielles aussi virtuelles. Ce qui est important, c'est à travers ces projets, à travers ce réseau physique de 13 campus de métiers que nous allons aussi construire pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, un data center pour à la fois faire un recensement des différents métiers des artisanats, il y a 85 métiers prioritaires que nous avons définis ensemble, et aussi faire un recensement des personnes qui travaillent dans ces différents secteurs. Et ces données précieuses vont aider à compléter ce système national de formation professionnelle pour les artisans qui nombrent de 6 millions de personnes, 6 millions de jeunes dans ce pays. Donc, vous voyez, là, je pense à un exemple concret de l'utilisation des systèmes IMIS, de non seulement collecter des data, mais encore une fois, pour aider aux décideurs politiques et aider aussi les financiers de bien investir dans le futur, dans la formation et l'éducation, qui est un enjeu majeur pour tous les pays à non seulement vaincre le COVID-19 et réussir le rebond et la reprise économique, mais aussi pour les futures générations de leur fournir la meilleure éducation possible. Une minute. Merci vous avez à vous. Une minute, monsieur. Merci, j'ai mal fini. Pardon, merci beaucoup. Bien, excellent. Merci beaucoup. Thank you very much for this quite. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci d'avoir relié les différents aspects liés à l'éducation, aux données, aux compétences et au développement économique, ce qui nous donne vraiment une perspective holistique, une perspective d'ensemble. Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette séance d'ouverture. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Guang Chou-Chang, chef de la section politique de l'éducation, pour nous donner quelques éléments de contexte pour la discussion au cours des 3 journées à venir.
Merci beaucoup, Boren, chers collègues, chers participants. Ce séminaire, dont le titre est de « Réimaginer l'avenir du système d'information de gestion de l'éducation », qui parle également de la nécessité d'aller au-delà de l'efficacité pour utiliser les systèmes de données pour appuyer un apprentissage pour tous efficace et inclusive. Et à ce titre, je souhaiterais utiliser un nuage de mots de l'UNESCO qui a mené une enquête sur l'impact de la pandémie entre juillet et septembre 2020. Il s'agit de réfléchir aux changements qui ont été apportés aux variables qui ont été ajoutées aux collectes de données. Les mots les plus fréquemment utilisés pour la première variable montrent que l'accent est mis sur la participation et l'apprentissage à distance. Le mot le plus fréquent, c'était la taille de la classe pour soutenir des politiques de distanciation sociale. Le nuage de mots montre également que élèves, étudiants étaient au centre des adaptations suivies par les écoles et leur personnel, ce qui nous montre à quel point nous avons changé et sur quoi nous allons mettre l'accent à l'avenir des systèmes d'information pour la gestion de l'information. En 2018, l'UNESCO et le PME ont organisé un séminaire sur l'évolution du CIG, où il a été question des différents pays, des différents contextes et des facteurs qui sous-tendent l'évolution du CIG, comme on le voit sur le slide. Tout d'abord, la disponibilité des technologies, le suivi des ODD, la complexité des systèmes éducatifs, le suivi de l'éducation, la redevabilité et l'accent sur les résultats de l'éducation. La pandémie, qui est le cadre de ce séminaire et a souligné l'importance d'autres variables telles que la fréquentation, l'apprentissage à distance, la santé, la distanciation sociale et met les étudiants au centre du système d'information. Ces variables nous ont permis d'ajouter des éléments à la liste d'autrefois. Tout d'abord, l'apprentissage en temps réel et ensuite la gestion de l'apprentissage. Il s'agit donc de s'assurer que les MIS soient préparés. La plupart des MIS ne sont pas préparés à cette tâche. Les programmes hybrides font que les CIG n'étaient pas préparés à la crise. Le COVID a également brouillé les lignes entre la responsabilité des différents secteurs, différents systèmes d'information tels que la santé, les marchés du travail et la sécurité sociale. Le besoin d'intégrer les CIG à la fois verticales entre les différents niveaux au système d'éducation et de façon horizontale entre différentes fonctions et secteurs de l'éducation est plus importante aujourd'hui que jamais par le passé. Aujourd'hui, on met l'accent à l'international sur les données, en particulier sur les CIG. Il est donc grand moment de s'assurer que le dialogue se focalise sur l'avenir des systèmes d'information par l'apprentissage par les pairs, la collaboration et la mise en place de communautés de pratique CIG qui réimaginent l'avenir des CIG. Qui serviront plus que jamais en tant qu'outils pour s'assurer de l'équité et de l'inclusion dans l'éducation, la collecte de données, en particulier sur les apprenants vulnérables et marginalisés, et pour s'assurer de l'amélioration des résultats de l'apprentissage pour tous. La crise du COVID a souligné les lacunes des CIG
pour s'assurer que l'État puisse s'assurer d'un bon apprentissage pour tous dans l'équité. Les indicateurs sont essentiels pour s'assurer du suivi d'une situation en pleine évolution. Les 6G avant la pandémie n'étaient pas adaptés à cette fin. Les 6G doivent donc être organisés autour de quatre dimensions. Tout d'abord, la rapidité, l'exhaustivité et la pertinence, l'accessibilité, l'usage, l'interopérabilité et l'adaptabilité. Ensuite, les 6G manquent de données en temps réel sur les écoles, les étudiants et les enseignants, ce qui fait qu'ils sont inefficaces pour répondre aux besoins éducatifs urgents. Les fermetures d'écoles, l'enseignement à distance, la gestion de l'abandon scolaire, le retour aux écoles, tout ceci doit être intégré. Les 6G ne sont pas suffisamment adaptables ou agiles pour répondre aux demandes et à la pandémie. L'incapacité de fournir des données à tous les enfants va bien au-delà de la construction des écoles pour assurer le suivi de la participation à l'apprentissage à distance. Les 6G n'ont pas suffisamment une culture de la connaissance des données, une culture des données ouvertes et ont une coordination et des liens avec d'autres systèmes de données insuffisantes, ce qui aboutit à une incapacité de faire un lien avec d'autres secteurs tels que la santé, la finance, l'évaluation pour s'assurer du bien-être et de la continuité de l'éducation des apprenants et de leurs familles. Au vu des enseignements tirés de la crise du Covid, il y a deux groupes d'attentes qui découlent pour notre réflexion sur le futur des 6G. Deux constellations. Il s'agit des conditions nécessaires pour construire un environnement favorisant pour les 6G à venir. Pour le premier groupe, le deuxième, il s'agit d'une constellation technique pour utiliser ce que les nouvelles technologies peuvent fournir pour surmonter les lacunes des 6G existantes. Il faut réfléchir à différents aspects tels que le cadre de politique saine et de cadre juridique sain pour ces systèmes de gestion de l'information ainsi que de stratégie digitale. Et un bon financement pour s'assurer de la mise en œuvre. La capacité de développement et des capacités techniques en adéquation avec les capacités des sujets à venir, la connaissance des données, l'analyse des données, etc. Il s'agit également de développer des systèmes de durabilité. Il faut pouvoir utiliser des identifiants uniques pour les étudiants et les élèves, des méthodes harmonisées qui permettent l'interopérabilité et la connexion, l'intégration des données avec les secteurs autres que les secteurs de l'éducation, la collecte de données automatisées, la validation et l'analyse. Le Covid nous a montré que l'éducation peut se faire partout. Il est donc nécessaire de permettre au 6G d'assurer le suivi d'un apprentissage qui a lieu par des moyens plus flexibles et plus diversifiés dans l'ensemble. Il y a un intérêt croissant dans ce genre de services, y compris dans le secteur de l'éducation. La crise du Covid a présenté le potentiel non exploité des technologies qui peuvent transformer les 6G dans des systèmes d'information plus élaborés qui peuvent assurer le suivi de chaque personne dans le système d'éducation, au-delà simplement des effectifs. Il faut réfléchir aux technologies d'avenir qui pourraient transformer les 6G, telles que les big data, l'intelligence artificielle, blockchain et systèmes d'intégration des données autres que dans l'éducation. Il s'agit là d'une liste non exhaustive et nous allons continuer à en discuter dans les journées à venir. Au cours des trois journées à venir, nous allons parler des principaux éléments des 6G à venir. Nous allons discuter d'une communauté de pratiques qui pourrait être élaborée pour faciliter la collaboration pour une transformation des 6G permettant un meilleur apprentissage pour tous. Cette communauté de
pratique comprendra des planificateurs de l'éducation, des décideurs, des partenaires du développement, des experts informatiques, des statistiques, des experts de l'analyse de l'apprentissage et autres partenaires du secteur privé. Les objectifs de cette communauté de pratique seront présentés pendant le séminaire international CIG. Il s'agira de mettre en place des normes pour les CIG suivants, une génération de connaissances, dissémination de connaissances, un partage des meilleures pratiques et apprentissage mutuel, facilitation du développement informatique et une meilleure connectivité, développement des capacités et trajectoire de transformation du CIG. Le sujet, l'UNESCO va compiler les suggestions des différents participants de ce séminaire. Comme vous le voyez sur le slide, il pourra s'agir de données inclusives, ouvertes et complètes, interopérabilité, intégration, algorithmes sans biais, protection de la vie privée et propriété légale, caractère abordable et accessible, mise à l'échelle et durabilité, et accent mis sur les écosystèmes locaux et le renforcement des capacités. Les documents sont en ligne et nous allons vous partager le lien dans le chat, à moins que cela n'ait déjà été fait. Nos efforts pour mettre en place cette communauté de pratique se trouveront dans le document qui sera publié suite à cette conférence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce séminaire a lieu sur 3 jours. Chacun se focalisera sur un aspect. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce que nous avons pu apprendre de la crise. Ensuite, demain, on parlera du CIG avenir tel que nous l'envisageons. Et pendant la troisième journée, comment promouvoir et soutenir le développement de la prochaine génération de CIG. Vous voyez ici une vue d'ensemble de la journée d'aujourd'hui. Nous avons pu avoir les remarques d'ouverture des différents représentants. Nous parlerons des enseignements tirés au niveau national et du point de vue des partenaires également. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant commencer la première séance de la journée qui sera modérée par Nicolas Roche. Qui est conseiller principal pour l'éducation à l'UNICEF, responsable de la planification sectorielle. Au siège de l'UNICEF à New York, il a 25 années d'expérience dans le domaine des statistiques, de la planification et de l'analyse du secteur de l'éducation. Il modère la première session qui se focalise sur les enseignements tirés et sur les perspectives des pays. Je vous remercie, Nicolas, vous avez la parole. Thank you, GC, for the introduction. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que vous m'entendez tous bien. Merci pour l'introduction. J'aimerais dire que je suis vraiment honorée de modérer cette première session. Depuis quelques mois, nous parlons de réimaginer l'éducation, mais réimaginer les systèmes d'information de gestion de l'éducation est très important. Et mes collègues de l'UNESCO et d'autres régions, d'autres partenaires amènent cette question sur la table pour une réflexion supplémentaire. Et comme cela a été dit, cette session va se concentrer sur les expériences pays. Et pour cette session, j'ai 5 panélistes avec moi qui vont nous parler de leur expérience pays. Premier, Mme Lien Li, directrice pour le développement du département de l'éducation en Chine et qui parlera des CIG, système de décision. Ensuite, nous aurons Mme Laetitia Mira, directeur de directrice de son département
ministère de l'Éducation en Argentine, qui nous parlera donc de l'expérience de l'Argentine pendant la pandémie. Ensuite, nous avons M. Hussein Abdulhamid, spécialiste de l'éducation à la Banque mondiale, et sa présentation va se concentrer sur le CIGE et l'éducation dans les urgences. Donc, en fait, le CIGE pendant les urgences. Ensuite, nous aurons entendrons l'expérience de l'Ouzbékistan, M. Abdelaev Alisher, directeur du département d'éthique, ministère de l'Éducation supérieure et secondaire, et ensuite M. Outkir Kadamov, sur l'Université de Tashkent. Je voudrais tout de suite donner la parole à Mme Li Yanli pour nous présenter son expérience de son pays. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, tout à fait. Merci. Bonsoir de Pékin. Merci de me donner cette opportunité de partager avec vous, et c'est un honneur pour moi de partager avec vous l'expérience de CIGE Chine. Il y a deux parties dans ma présentation. Tout d'abord, les statistiques en matière de l'éducation et la prise de décision basée sur les données, en particulier notre réponse à la COVID-19. Alors, ici, nous pouvons voir le département de statistiques qui a été établi en 1954, et notre CIGE comprend plus de, couvre plutôt 530 000 écoles et 290 millions d'étudiants et plus que 20 millions de personnels d'enseignement et administratif. C'est un département de statistiques le plus étendu en Chine, et le diagramme ici vous montre les systèmes, comment ils fonctionnent de janvier à mai. Il y a une analyse de données de l'année précédente, de juin à août, les départements assignent des tâches aux écoles, et en septembre, il y a le reporting d'octobre à décembre. Il y a, on termine l'évaluation des données et le reporting avant le prochain cycle. Alors, ce chiffre ici vous montre le système intégré tel que le collecte, analyse et publication. Pour assurer la qualité des données statistiques, nous avons la formation de personnel et la vérification. Alors, nous avons établi un système de décision. Vous avez différentes donc, sources de données pour aider les décideurs en matière d'éducation dans la planification des politiques, l'évaluation et le suivi des systèmes éducatifs. Nous attachons beaucoup d'attention à l'application des données statistiques qui peuvent inclure des planning, allocation, etc. Maintenant, pour la publication des données, vous avez des newsletters, les rapports et le rapport annuel. Nous utilisons les données pour produire des rapports avec des dimensions multiples pour nous aider à répondre aux questions en matière éducative. Pour le suivi, nous pouvons prévoir le développement
notre système éducatif avec quelques indicateurs clés qui vous donnent une meilleure base de données pour le développement des plans éducatifs. Vous avez suivi ici, par exemple, vous voyez la distribution des écoles secondaires avec cet angle multidimensionnel. Et vous avez les indicateurs avec la standard de la valeur. Nous attachons beaucoup d'attention également à la coopération internationale et la plateforme comprend le développement des données de développement éducatif d'un grand nombre de pays qui montrent la comparaison entre la Chine et les différents groupes de pays de groupes de revenus différents. Et pour la planification éducative, nous utilisons les données qui sont recueillies pour cette planification et vraiment mettre la fondation pour l'allocation des ressources en matière éducative. Et nous avons ici publié différents résultats, y compris des rapports et les besoins éducatifs ainsi que des prévisions de et ceci pour mieux conduire notre planification en matière éducative. Maintenant, pour ce qui est de la réponse à la COVID-19, le ministère de l'Éducation où les écoles ont fermé les écoles et ont fait l'éducation, donc ont entrepris l'éducation à distance, en ligne. Et pendant la pandémie, les statistiques en matière d'éducation, les statistiques n'étaient pas affectées. Nous avons également produit une plateforme pour le système éducatif national pendant la COVID-19 afin de suivre la situation de l'épidémie dans le système éducatif en temps réel. Et certaines provinces avaient également leur propre système pour voir l'impact de la COVID-19. Ici, c'est la province de Shaanxi qui fait le suivi. C'est ce système de suivi. Ils peuvent accéder à différentes données des étudiants de plus à temps. Alors, pendant la pandémie, beaucoup de plateformes de systèmes d'éducation en ligne ont été appliquées de par le pays et ces plateformes ont produit un grand nombre de données en matière d'apprentissage et nous sommes en train de voir comment recueillir ces données dans un siège pour suivre et évaluer les résultats d'apprentissage des élèves au mieux. Nous avons également établi quelques plateformes éducatives qui reflètent de développement futur. Donc, gestion des enseignants, par exemple, qui peuvent utiliser des données pour les prises de décision au niveau local. Dernier point, c'est que nous espérons toujours que notre siège sera un système de gestion globale et dynamique dans l'avenir et nous essayons de tout faire pour connecter différentes plateformes avec d'autres systèmes pour maximiser la valeur des données statistiques en matière de l'éducation. Nous aimerions apprendre des autres et surmonter les difficultés dans les différents environnements d'apprentissage. Voilà tout. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, merci beaucoup. C'est très impressionnant. Je pense à l'intégration de l'information, mais également, je pense que ce serait excellent si nous puissions revenir pour regarder certains aspects du siège
que vous avez mentionné, en particulier le suivi et la alerte précoce. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame Laetitia Miros avec son explication de l'expérience en Argentine. Yes, yes, we can hear you. Okay, thank you. Je remercie l'UNESCO de me faire l'honneur de me laisser représenter mon pays, de partager l'expérience de l'Argentine au cours des mois récemment écoulés. L'Argentine est un système de gouvernement fédéral constitué de 24 provinces. La population de l'Argentine est de 45 800 000 personnes, qui comprend 15 millions d'étudiants et 1,5 million d'enseignants. Il y a 63 000 écoles et 131 universités dans le pays. Le Conseil fédéral de l'éducation définit les politiques pour le système éducatif centralisé. Le gouvernement veille sur l'application de la politique d'éducation fédérale. Le système d'information pour la gestion de l'éducation est constitué de différents types de services. Certains d'entre eux sont mis à jour régulièrement, tels que le catalogue national d'institutions éducatives, alors que d'autres sont mis à jour de façon annuelle. Le relevamiento annuel est le recensement annuel. Il s'agit là de la principale source d'information, méthodologie qui est utilisée depuis les 25 dernières années, qui nous permet d'avoir un niveau de couverture très élevé. Nous bénéficions d'un système d'information de l'éducation numérique qui est mis à jour régulièrement et qui est constitué de différents modules, dont un système de gestion de l'information qui a été élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. Il est utilisé à l'heure actuelle par 6 provinces. Le Bacen Nacional Homologada est constitué d'un registre d'élèves qui est en train d'être mis à jour cette année, en 2021. Dans ce contexte, avec ce système d'information, quelles sont les exigences pour que ce système d'information puisse fonctionner en situation de pandémie? Notre ministère a été confronté à un nombre important d'étudiants qui étaient désengagés pendant la période de quarantaine, pendant le confinement. La gestion de la vaccination des enseignants et le suivi de la contagion au moment de la réouverture des écoles. Tout ceci nous a rappelé les différentiels au niveau du développement. Il y a eu un module de CINID. Il s'agissait d'enregistrer
le niveau d'accompagnement des étudiants selon leur performance et selon leur fréquentation. Le chiffre était de 2,3 millions d'étudiants, ce qui représente un taux d'achèvement de 16%. Il s'agit là de la première initiative en son genre au niveau national. Ensuite, en ce qui concerne la vaccination des enseignants, nous avons conçu un formulaire en ligne, un registre d'enseignants et de personnel qui montrait leur disposition à recevoir le vaccin. Et ce registre était mis à jour de façon hebdomadaire. Il contient 250 000 registres à l'heure actuelle. Le premier et le dernier module, Cuidar Escuelas, module qui a été élaboré en coopération avec le ministère de la Santé. Il s'agissait de surveillance épidémiologique, donc des cas d'élèves, d'enseignants, de personnel positifs au COVID. Il y avait également des registres nominaux, des informations personnelles, date de notification et date du début des symptômes. Tout cela se trouvait dans ce registre. Le développement de ces différents outils a été motivé par l'absence d'un registre nominal d'étudiants et d'enseignants, le manque de connectivité entre les différents systèmes nationaux existants, mais surtout par l'absence de systèmes d'information permettant la prise de décision. En surmontant ces défis, l'Argentine a réussi à mettre en place un système de gestion de l'information pour l'éducation pour l'avenir. Le système en temps réel pour la prise de décision, saisie de données décentralisées, des bases de données nominales utilisables pour les élèves de secondaire, les enseignants et le personnel, ce qui est d'une importance toute particulière. Il y a également la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de confidentialité et d'utilisation de l'information et l'interconnectivité au niveau national des différents systèmes d'information. Je souhaiterais maintenant partager avec vous certains des outils, certains de ces développements qui existent en ligne. S'il me reste encore 2 minutes, vous avez légèrement dépassé votre temps de parole, mais s'il ne s'agit que de 2 minutes, vous pouvez le faire. Je partagerai les liens pour que vous puissiez aller les consulter vous-même. Laetitia, je vous remercie pour cette excellente présentation. J'aime beaucoup la façon dont vous avez structuré les différents moments clés, les moments clés de la programmation, en particulier le désengagement des élèves, la vaccination des enseignants et la réouverture des écoles, y compris le suivi de la contamination, ce qui, à l'heure actuelle, est au centre de tous les débats. La réouverture des écoles, est-ce qu'on garde les écoles ouvertes, la contamination entre l'école et la communauté, etc. Mais je crois que nous y reviendrons.
Je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Abdul Hussein Abdulhamid, spécialiste principal de l'éducation pour la Banque mondiale, pour l'éducation dans les situations d'urgence. Bonjour à tous, je souhaiterais remercier l'UNESCO ainsi que nos partenaires internationaux qui ont bien voulu organiser l'événement d'aujourd'hui et qui viennent attirer l'attention sur l'importance des systèmes de gestion des données. Je voudrais davantage mettre l'accent sur l'éducation en situation d'urgence et l'utilisation des systèmes de gestion d'information dans ces situations. Nous comprenons tous qu'un système d'éducation résiliente nécessite un système de données et de gestion de l'information résilient. Nous le comprenons maintenant plus que jamais. La crise du Covid est venue nous pousser dans nos retranchements, en particulier en ce qui concerne le service public, en particulier l'éducation. Je souhaiterais vous parler de l'expérience de la Banque mondiale sur les éléments clés pour réussir dans des situations d'urgence, les éléments qui peuvent venir secourir l'éducation dans des périodes difficiles. Je souhaiterais tout d'abord souligner l'importance des CIG en tant que système de référence auquel on peut faire confiance. Parce que tout le monde se tourne vers la même source d'information. Il s'agit d'une source d'information fiable, exacte, précise. Si l'on se base sur des estimations, ce n'est pas particulièrement utile, mais si l'on peut bénéficier des données exactes et détaillées, eh bien, c'est très important, très utile, en particulier en situation d'urgence, parce que cela nous permet de faire des projections, des estimations et de mettre en action le soutien dont nous avons besoin. Les identifiants à tous les niveaux, c'est très important qu'ils soient déjà présents dans le système. Des identifiants pour toutes les unités du système, institutions, universités, écoles, ou qu'il s'agisse d'une agence d'appui à l'éducation. Il est également très important d'avoir accès aux enseignants et de s'assurer que les enseignants qu'on ait une bonne communication avec eux et que l'on puisse identifier leurs besoins. Il en est de même pour les élèves et pour les parents. Troisième aspect, il faut que ce système comprenne différentes dimensions, des dimensions multiples. Il ne s'agit pas uniquement de compter les étudiants, le nombre de salles de classe et le nombre d'enseignants, mais d'avoir un système réellement intégré, ça c'est essentiel, qui comprenne les ressources humaines, les ressources technologiques, quelles qu'elles soient, et toutes les capacités qui sont utilisées dans un système d'éducation. Quatrième élément. Le quatrième élément, c'est le lien aux autres systèmes, à la fois internes et externes. En effet, nous nous sommes aperçus de l'importance qu'il y a à ce que le CIG soit lié à d'autres systèmes de gestion de l'information. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir fournir une éducation à distance. Il est important que les systèmes soient en place pour
pour que la bonne information soit fournie. La fréquentation, par exemple, qui participe à l'enseignement, qui bénéficie d'un soutien, qui a besoin d'un soutien supplémentaire. Il y a toute une gradation. Pour tout ce qui est externe, système de santé, il est important de faire le lien entre élèves et indicateurs de santé, services de santé, qui est malade, qui ne l'est pas, qui est en bonne santé, qui est vacciné, qui ne l'est pas, à la fois pour les enseignants et pour les élèves. Il faut également assurer le suivi des services sociaux, des programmes sociaux, de différents de prestations sociales. Tout ceci doit être en connexion avec le système de gestion de l'information pour l'éducation. Il s'agit là d'un des ingrédients clés pour que ce système fonctionne bien. Il est également important d'avoir un système qui soit modulable, que l'on puisse élargir facilement. Parfois, il est nécessaire de créer quelque chose de très rapidement. Vous allez le voir lors de la présentation suivante, la présentation de mon collègue en Ouzbékistan. Le système doit avoir la capacité juridique de s'élargir et la capacité de ne pas être tributaire de ressources externes coûteuses. Et la capacité de faire en sorte que cela puisse se faire au bon moment. Puis il y a la question de la la disposition des capacités humaines locales, la capacité de maintenir la sécurité du système. Je voudrais également souligner l'importance de la formation. C'est essentiel à tous les niveaux. La pandémie a souligné que tout le monde doit utiliser le système, y compris les chefs d'établissement. Et la formation en ce sens est essentielle. Lorsqu'on parle des 6G, il ne s'agit pas uniquement des écoles, mais de tout le système, ce qui comprend également les universités. Les diapositives suivantes parleront de l'enseignement supérieur et du fait que l'enseignement supérieur a beaucoup souffert pendant cette période et qu'un bon 6G peut permettre une transition facilitée pendant une période de pandémie. Professeur Rugger, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Otkir Hamdamov d'Ouzbékistan et j'aimerais vous partager avec vous, vous faire part de l'information sur le développement et la mise en œuvre du système d'information, de gestion de l'information pour l'enseignement supérieur en Ouzbékistan. Donnez-moi une petite seconde. Bonsoir, chers collègues. Pendant la pandémie, le système gestion d'information de l'enseignement supérieur a été développé comme faisant partie du projet de la Banque mondiale. Le système pour la soumission en ligne pour les programmes de l'enseignement supérieur pendant la pandémie, on a acheté l'équipement pour 78 universités et un centre de données a été établi et la présentation a été préparée avec professeur Hamdan Kotkar et M. Satoukans et les capacités
l'efficacité de ce système pleinement expliqué. Je demanderai au professeur Hamdaf maintenant de prendre la parole. Est-ce que je peux partager ma présentation, s'il vous plaît? Je pense que quelqu'un doit fermer la démonstration de l'écran. Moi, je ne peux pas enlever. Monsieur Oudkir, vous pouvez maintenant partager votre écran. Je vous remercie. Je suis Oudkir Kramdav, consultant national au système de SIGE, et j'aimerais partager notre expérience sur comment nous avons développé le système du SIGE pendant la période de la pandémie et comment on a pu adopter le système pour faire face aux besoins des élèves et des enseignants pendant l'urgence de la COVID. Ce projet du SIGE qui a été développé avec le soutien du groupe Banque mondiale, et le titre, c'est la modernisation du système Ouzbékistan et la mise en œuvre de ce système SIGE pour l'enseignement supérieur de l'Ouzbékistan. La durée du projet était de 2018 jusqu'en 2022, et les parties prenantes principales, c'était la Banque mondiale, le ministère de l'éducation spéciale de l'Ouzbékistan, de l'éducation supérieure et et d'autres institutions. Ce système, donc les mises de le projet de développement pour renforcer la capacité gestionnaire, la pertinence du plan de marché de travail, les environnements d'apprentissage de l'enseignement supérieur. Le HEMIS consiste en 4 sous-systèmes généraux, d'abord administratifs, ensuite universitaires, scientifiques, et le dernier, ce sont des sous-systèmes de gestion d'informations financières. HEMIS peut également fournir les services de planification, organisation éducative, ainsi que les activités donc éducatives, méthodologiques, scientifiques et financières des universités, fournissant la service de l'information aux étudiants, aux enseignants et d'autres participations dans ce processus de l'enseignement supérieur. Ensuite, organisation d'une plateforme électronique pour une interaction meilleure entre les utilisateurs de système, les enseignants et les étudiants, et augmenter la capacité du ministère pour répondre aux utilisateurs ad hoc et réguliers. Alors, le système HEMIS a été développé avec 3 systèmes d'information. Tout d'abord, le HEMIS pour les instituts d'enseignement supérieur. La Banque mondiale a soutenu 80 instituts avec leurs unités d'éthique, et les serveurs ont été installés et lancés pour l'enseignement supérieur. Et le ministère qui a lancé le Data Warehouse Central. Ensuite, l'inspection du MS, le CISC, c'est-à-dire recueil des informations, des données de l'éducation pour le processus de prise de décision afin d'analyser l'évaluation des instituts de l'enseignement supérieur. Donc fourni via l'internet et intranet, donc basé sur le web, et il y a un feedback pour les universités, un retour d'informations pour recueillir ces informations concernant le processus éducatif dans l'enseignement supérieur. Ici, vous avez la structure du système de l'information HEMIS.
divisé avec quatre partenaires, administrateurs, gestion administrative, information éducative, enfin, scientifique, ensuite sous-système financier. Les utilisateurs principaux de ces systèmes sont divisés en deux parties. D'abord, les utilisateurs internes, ensuite les utilisateurs externes. Internes, vous avez l'administration, les professeurs et les étudiants d'université. Et utilisateurs externes de ces systèmes d'information, ce sont les organes étatiques des ministères et quelques des entreprises. Donc, pour ceci pour l'information d'échange de données pour l'éducation. Donc avant le développement, il y a eu une définition de quatre catégories des indicateurs de l'enseignement supérieur. Vous avez les indicateurs sur la formation administrative, universitaire, ensuite indicateurs 18 en nombre, ensuite indicateurs d'information scientifique 13 et 5 indicateurs d'information financière. Et c'est au titre de ces indicateurs d'information que le HEMIS a été développé. Le système donne aux officiels des ministères les informations recueillies sur les institutions de l'enseignement supérieur. Vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous pouvez, vous avez une minute. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur l'expérience COVID, s'il vous plaît? Alors, ce système d'information est établi maintenant dans plus de 120 universités et vous pouvez voir que le taux de participation dans ce programme de différents niveaux, master et PhD, vous avez ici le recueil de données des classifs, de ce qu'ils appellent les classes data classifiers, 29 10 registres au répertoire et des rapports sur les données. Pendant la période de la pandémie, afin d'adopter le système aux besoins des élèves et des enseignants, quelques fonctionnalités du système HEMIS ont été étendues. Il y a eu quelques fonctionnalités additionnelles qui ont été donc ajoutées. Telles que l'interaction entre l'étudiant et l'enseignant ou le cours, donc des différentes méthodologies pour les cours, ensuite la gestion de cursus, c'est un sous-système de HEMIS, également des sous-systèmes d'évaluation de la connaissance des étudiants, car après tout, il y a l'éducation, donc au lieu de face-à-face, c'est une éducation en ligne, et donc on a besoin des outils pour aider dans la connaissance des étudiants, et dans ces cas-là, l'HEMIS a ajouté une module dans ce sous-système. Ensuite, vous avez l'enregistrement de contrats en ligne. Tous les élèves devaient payer leur inscription et donc il fallait élaborer un contrat pour le paiement, un système de paiement. Donc vous aviez ce système de contrats en ligne d'enregistrement, d'inscription. Ensuite, le système de gestion de inscription une fois que les étudiants vont dans le système de master, les écoles sont fermées, mais on donne un suivi à tous les élèves de par le pays pour une application, processus d'application en ligne. Donc, vous aviez donc ces systèmes pour les écoles
pour les universités. Certains, les élèves qui veulent changer leur programme ou les étudiants qui viennent des universités étrangères, en raison de la COVID, certains élèves qui devaient partir à l'étranger ne peuvent plus partir à l'étranger. Et donc, la plupart des élèves ont demandé à changer, à transférer leur dossier à des universités locales. Et donc, il y avait ce système de la gestion en ligne, des formulaires de demande. Vous avez donc ces systèmes d'information qui utilisent l'Internet. Vous avez les demandes, formulaires de demande. Vous avez les bases de données. Ensuite, ceux qui distribuent les formulaires. Et ensuite, ceux qui examinent les demandes et les documents des étudiants. Vous avez des statistiques, en fait, disponibles par région. Vous avez plus de 77 000 demandes ont été faites en utilisant ce système d'information en ligne pendant la pandémie. Ensuite, quelques informations sur le système de gestion de l'information pour les transferts en ligne des demandes. Désolé, mais je pense qu'il faudra que vous arrêtiez. C'est un dernier diapositive. Il y avait deux types de demandes, le transfert, la réadmission. Et vous aviez des commissions qui étaient là pour examiner ces demandes. Ensuite, vous avez des statistiques sur le système de gestion pour ce transfert en ligne. 114 universités qui a relié 16 ministères et les organes étatiques. Et pendant la période de la pandémie, plus de 43 000 demandes ont été soumises pour ce système d'information et plus de 40 000 demandes ont été examinées et acceptées par les commissions pour le transfert des étudiants et la réadmission. C'est le dernier slide pour le développement futur du HEMIS. Nous avons commencé à intégrer le système d'information avec d'autres systèmes d'information utilisés dans le pays. Par exemple, vous avez ici un portail des services étatiques interactifs uniques, ensuite un registre de protection sociale. Ensuite, c'est une information financière du ministère des Finances. Ensuite, c'est un système de travail des Nations Unies unifié soutenu par le ministère de l'Emploi. Ensuite, le système géo-information soutenu par la région de Tashkent. Voilà les cinq systèmes d'information et intégrés aujourd'hui dans HEMIS. Voilà, c'était pour l'information que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Thank you, professeur. Merci beaucoup, professeur Kamdamov. C'était une excellente présentation. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour la session questions-réponses parce que nous avons un peu dépassé les temps impartis. Je vais simplement vous proposer deux, trois points en guise de résumé. Tout d'abord, au vu des présentations, donc les présentations pays, il y a deux éléments clés qui ressortent concernant les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation, afin qu'ils puissent répondre à la crise actuelle. Tout d'abord, l'intégration des systèmes de gestion, on peut le voir de l'expérience de la Chine, de l'Ouzbékistan également. Donc en réponse à cette crise, il est important d'intégrer les données au-delà de l'éducation, d'utiliser d'autres sources de données. Je trouve que votre dernière diapositive montrait vraiment cela, monsieur le professeur. Deuxièmement, adaptabilité. L'adaptabilité, les expériences parlaient de la nécessité d'aller au-delà du sujet traditionnel. En ce qui concerne l'expérience de l'Argentine sur la collecte des données, sur le désengagement des élèves,
Il en ressort la nécessité d'assurer le suivi de la transmission de la contamination, également la nécessité d'avoir quelque chose qui est appuyé par la technologie, la collecte de données, l'expérience de l'Ouzbékistan nous montre bien qu'il n'y a pas de format unique qui convient à tout le monde. Qu'il est important de tenir compte de tout ce qui a trait aux étudiants, les inscriptions, etc. Donc, adaptabilité des sources de données. Avant d'avancer, je vois qu'il y a cinq questions qui ont été posées. La première parle de la facilitation des CIG pour l'adaptation, la collecte de données dans les populations culturellement sensibles, ce qui est important pour les questions d'équité. Deuxième question liée au suivi de l'information telle que la citoyenneté mondiale et la gouvernance des écoles. Comment est-ce qu'on mesure tout cela? Puis la performance des apprentissages en temps de distanciation sociale. Comment est-ce qu'on gère tout cela? Et puis, la toute dernière question qui est essentielle pour une organisation telle que la nôtre, l'utilisation des données, la diffusion des données. Pour ce faire, il faut vraiment mettre l'accent sur la bonne maîtrise de tout ce qui a trait aux données. Comment s'assurer que tout ce qui a trait au CIG soit bien utilisé pour la planification et le suivi pour la fourniture de services d'éducation. Malheureusement, nous avons dépassé le temps qui nous est imparti. Nous n'avons pas la possibilité de rentrer dans des questions-réponses avec nos intervenants. Je vais donc redonner la parole à Guangzhou. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre excellent travail de modérateur au cours de cette première session. Nous allons maintenant parler à la session suivante. Il s'agit non plus des enseignements tirés de la crise du Covid, mais de la perspective régionale. Avant d'inviter le modérateur de la session suivante, un petit caveat. Au cours de ces séminaires en ligne, il est vraiment important de nous en tenir au temps qui nous est donné. Donc vous pouvez utiliser le chat pour les questions-réponses. Vous pouvez également y partager vos PowerPoints. Si vous prenez la parole, allumez bien votre caméra. Je souhaiterais répéter qu'il est très important de rester dans les temps. Je souhaiterais maintenant vous présenter le modérateur de la session suivante, M. Tao Zhang, directeur de l'Institut de l'UNESCO pour les technologies de l'éducation, qui est situé à Moscou. Avant de rejoindre l'UNESCO en tant que directeur de l'IITE en 2017, il avait travaillé en tant que directeur de l'université de Zhangdong, de Xilin. Il avait également été directeur du Centre d'information de l'éducation en Chine. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Je vous remercie pour ces mots de présentation. Je suis moi-même mathématicien et je pense qu'il est donc très important de ne pas dépasser les temps. À Paris, il est 14h54. Bienvenue à tous à cette deuxième session
Il s'agit du partage d'expériences mondiales et régionales, en particulier du point de vue de l'UNESCO et de ses partenaires. Au cours de cette session, nous aurons l'honneur d'accueillir trois intervenants, un de l'UNESCO, deux de ses partenaires, GPE et l'UNICEF. Chacun aura 10 minutes pour faire sa présentation, après quoi nous aurons 10 minutes pour la séance questions-réponses. Mon collègue à Paris, Madame Sabai, m'aidera à collecter les questions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lever la main pour poser des questions pendant la session questions-réponses et je vous donnerai la parole. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'inviter la première intervenante. Il s'agit de Madame Margaret Irving, économiste de l'éducation du Partenariat mondial de l'éducation. Vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je remercie l'UNESCO d'accueillir cette session et d'avoir lancé ce débat. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que le GPE a pu constater, le soutien qu'ont souhaité demander les pays pendant la crise du Covid. Ce qui est important pour le partenariat mondial, c'est de construire des systèmes résilients. Lorsqu'on parle de systèmes résilients, et bien ce que l'on veut dire, ce sont des systèmes qui peuvent réagir et continuer de fonctionner. Nous savons que cette crise du Covid a vraiment mis à mal la résilience, avec énormément d'incertitudes. En période d'incertitude, les données sont notre meilleur ami. Nous avons besoin de bons systèmes de données, des systèmes qui peuvent nous donner des données utilisables en temps réel pour réagir, mais également pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et pour venir éclairer notre réponse à venir. Ce que nous avons également pu reconnaître, c'est que dans des temps difficiles comme celui-ci, il est vraiment nécessaire de prioriser, de décider ce qui est le plus important, ce qui doit être mis en priorité en matière de résultats, dans quoi nous voulons investir. Et là encore, les données, les preuves, les données probantes y sont essentielles. Les difficultés que nous entrevoyons, c'est que nombre des 6G dans les pays partenaires ne sont pas capables de s'adapter, d'utiliser les données existantes et de construire de nouvelles façons de faire en temps réel. Et c'est là qu'il y a un besoin d'aide. Ce qui est encourageant, c'est que dans la plupart des pays, on a pu voir un accent vraiment mis sur l'équité, avec des demandes de fonds GPE pour venir en aide aux populations marginalisées. Au partenariat mondial, on a très vite mis en place une facilité de financement accéléré. La plupart des pays partenaires ont pu accéder à ces fonds assez rapidement. Il y a eu 66 demandes pour une valeur de 467 millions de dollars. 40% environ ont demandé du financement pour l'intervention au niveau des données. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Un petit caveat. Je note que pour demander des fonds, les pays devaient avoir un plan de réaction pour le Covid qui aurait pu inclure un élément donné, financé par le partenariat mondial ou non. Aujourd'hui, je me concentre uniquement sur l'aspect GPE. Donc, dans ces demandes de financement pour les interventions sur les données, il y avait toute une diversité de demandes. La plupart ont indiqué qu'il y avait des déficiences dans le sens où les pays n'étaient pas prêts pour cette situation. Par exemple, on a vu des collègues au Burundi qui souhaitaient identifier de nouvelles technologies pour une collecte de données instantanée. Il y avait également d'autres pays qui souhaitaient construire des données sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, par exemple.
développement d'un outil d'enquête aux zombies pour montrer si l'enseignement fonctionnait ou pas. Le partenariat a également financé nos partenaires du consortium, l'UNESCO et la Banque mondiale, pour essayer de collecter des données sur les activités régionales. C'est encore tôt, on n'en est qu'au balbutiement, mais on essaye de voir ce qui va ressortir avec une vue d'ensemble pour voir ce qu'on a pu apprendre et ce qu'on peut faire en mieux. Ceci vous donne une idée de la localisation des pays, principalement sur le continent africain. Qu'est-ce que nous avons anticipé de voir? Eh bien, on s'attendait à voir un besoin d'assurer le suivi des élèves et des enseignants, d'assurer les besoins des populations vulnérables, un soutien dans la transition pour sortir de la pandémie. Ensuite, lorsqu'on a vu ce qui a été financé, eh bien, on constate qu'il s'agit de demandes assez diversifiées. Ce que l'on a pu voir essentiellement, c'était le besoin de davantage d'informations sur les populations vulnérables et marginalisées et de meilleures données pour cibler les bonnes interventions. Nous travaillons sur le terrain, nous sommes une agence de financement plutôt qu'une agence de mise en œuvre, mais en regardant les demandes, l'on voit qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations sur ces groupes, qu'il n'y avait pas de bon système de suivi, et c'est là qu'on peut apporter un véritable soutien. Il y avait également un mouvement vers la transformation numérique, besoin de modes alternatifs de collecte de données. En raison de l'enseignement à distance, peu de demandes de collecte de données intersectorielles. Ce qui était encourageant, c'est qu'une partie des pays réfléchissait au renforcement des capacités et de formation à long terme. Donc il ne s'agissait pas uniquement d'une réaction purement réactive, mais de façon plus proactive, la façon dont on peut renforcer ces systèmes afin de créer des systèmes plus résilients, plus robustes. Je voudrais noter ici que ce dont il est question aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est que dans ces demandes de financement, eh bien, on a regardé les plans de réponse des pays à la pandémie. Il est difficile de mettre des chiffres exacts, mais la qualité des plans variait beaucoup d'un pays à l'autre. On constatait souvent qu'il y avait des demandes de financement de questions liées aux données qui n'étaient pas forcément, qui ne se trouvaient pas forcément dans les plans de réponse. Les données, c'est un intrant, mais c'est également un extrant. Il nous faut des données pour pouvoir planifier, mais il faut également planifier pour obtenir les bonnes données. Donc il est important de faire le lien entre ces deux choses, parce que ce que les gens voulaient vraiment financer, c'était une chose, et ensuite on pouvait voir ce qui se trouvait dans ce plan qui ne correspondait pas toujours forcément. Donc pour la préparation future, c'est un bon point de réflexion. Ceci donne une idée très rapide du genre de domaine pour lesquels les pays ont demandé du financement. Je vais passer une minute par pays. S'il y a des collègues de ces pays qui souhaiteraient dire quelques mots pour parler de la mise en œuvre, ce sera très intéressant. Mais on va commencer par le Bangladesh. Le Bangladesh s'est adressé au partenariat mondial. Vous voyez à gauche la demande de financement et à droite ce qui était dans le plan de réponse du pays. Le plan mettait l'accent davantage sur le moyen terme, les plans à moyen terme pour ramener les enfants à l'école et en particulier les enfants les plus à risque, les plus vulnérables.
Et lorsqu'on a regardé plus en profondeur le plan du Bangladesh, on a constaté que le secteur de l'éducation mettait en place un système de suivi de la santé qui pourrait interagir avec le plan de l'éducation pour que ce lien sectoriel soit vraiment utile et pertinent ici. Ici, on voit le Kenya, le cas du Kenya, où l'accent était vraiment sur l'intersectoriel. La demande de financement mettait l'accent sur le financement de programmes existants. Il n'était donc pas purement réactif, il s'agit de voir ce qui fonctionnait déjà. C'était l'occasion de faire en sorte que les plans de repas scolaires fonctionnent mieux. Il y a un élément de protection scolaire, protection sociale dans les plans de repas scolaires. Donc ça, c'était tout à fait intéressant, tout à fait encourageant. J'ai vu dans le chat des questions pour savoir comment s'assurer. Il vous reste une minute. Pour s'assurer que tous les niveaux de la gestion du système, pas uniquement au niveau des décisions politiques, mais aussi au niveau des enseignants, puissent utiliser les données. La demande du Kenya mettait vraiment l'accent là-dessus, sur le fait que tous les niveaux puissent utiliser les données avec une approche très ciblée pour s'assurer que les domaines qui étaient à la traîne soient soulignés, soient signalés, que les chefs d'établissement puissent dire exactement qui manquait à l'appel. C'était vraiment très multiniveau. Je vais m'arrêter ici. J'avais également l'exemple des Maldives, mais vous pourrez partager votre présentation si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Beaucoup de données qui peuvent rendre le système éducatif plus résilient. De bonnes données dépendent d'un bon système de CIGE et c'est la raison pour laquelle nous parlons du CIGE. C'est un plaisir pour moi de donner la parole maintenant à M. Alassane Taougou, qui vient, un partenaire de l'UNESCO, l'UNICEF, qui est du bureau régional du MENA. Et c'est un expert avec beaucoup d'expérience dans le système du CIGE. Je vous donne maintenant la parole et je vous donne 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Je suis Alassane Ouedraogo. Je voudrais remercier à l'UNESCO de vous donner cette opportunité de parler de l'avenir du CIGE. Alors, ma présentation sera autour de trois points. D'abord, une vue d'ensemble du CIGE intégré. Secteur, mais également de l'expérience du COVID-19 et l'initiative que nous avons pris traiter de ces différentes challenges, différents défis. Alors la première partie, c'est pour dire que le système du CIGE a différents niveaux. Pour ce qui est de la maturité, de la typologie, des systèmes de données, la fragmentation des données, disons que nous avons trois typologies. Nous avons le système de CIGE de base, ensuite des systèmes intermédiaires et ensuite des systèmes de CIGE qui se auto-soutiennent. Donc, allant de ressources RH, activités pédagogiques, infrastructures, gestion de connaissances, les aspects transversaux sur les systèmes de livraison, systèmes administratifs,
financiers. Alors, pendant la COVID, il y a eu des tentatives de nombreuses fois pour entreprendre le mode hybride d'apprentissage avec l'apprentissage à distance dans toutes ses formes. Une combinaison, si vous voulez, des solutions high-tech à faible technologie et faible coût en ligne, hors ligne, TV, radio, etc. 40% des enfants inscrits à l'école n'avaient accès à aucune de ces formes d'apprentissage à distance dans le MENA. Et les modalités, les efforts donc que les gouvernements ont fait pour remplir les différents fossés. Ici, vous avez une réflexion au sein de la région en partenariat avec d'autres acteurs, agences, pour voir quelles sont les données qu'on doit recueillir pour le système de l'éducation actuelle et future. Alors, qui a accès l'opportunité d'apprentissage, accès à l'interconnectivité, électricité, également de collecter des données pour informer sur l'engagement, la participation. Comment est-ce que nous suivons l'engagement des enseignants avec les systèmes hybrides et l'apprentissage a lieu avec les systèmes fournis par le gouvernement? Quels sont les mécanismes? Quelles sont les données qu'il faut recueillir pour voir ce que nous avons fourni sur des plateformes d'apprentissage à distance ou l'hybride? Comment ils peuvent suivre et quelle est l'efficacité en réponse à informer le ministère pour aller de l'avant? Cette dimension sont pris en compte sur comment aller de l'avant pour le futur système SIGE. Dans la région du MENA, pour répondre aux questions que nous avons soulevées dans le diapositif, ce sont les structures du cadre et boîte à outils pour faire le suivi à distance de l'apprentissage dans le MENA. Nous avons eu du soutien GPA et le besoin d'un cadre pour traiter des questions fondamentales. Qui sont les enfants à risque? Où sont-ils? Qui sont-ils, pardon? Ensuite, où sont-ils? Les systèmes hybrides comprennent pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre certains élèves. Et ensuite, pourquoi et le quoi, c'est-à-dire les changements nécessaires. Alors, l'objectif de ce cadre est d'avoir une fondation pour l'amélioration des capacités nationales pour générer des données critiques nécessaires pour les pays eux-mêmes. Le focus, ce sont les ministères de l'Éducation. Et pour pouvoir donc s'ajuster aux nouveaux besoins de données et des guidelines pour de nouveaux indicateurs, car la pandémie exige aujourd'hui de nouvelles données. Ensuite, l'interaction entre le ministère de l'Éducation, comment collaborer, comment incorporer ces mécanismes de l'apprentissage à distance. Alors, le
cadre vient avec une certaine portée? Est-ce que le cadre doit avoir des données pour le processus d'orientation? Planning, ensuite des séries de données, une banque de données, des questions. Et viser les ministères de l'éducation, les écoles, les enseignants, les parents, les étudiants. Ensuite, aller vers l'échantillonnage basé sur l'échantillon. C'est ça pour les données critiques. Des systèmes de gestion. Des caractéristiques, si vous voulez, des systèmes nécessaires. Les interprètes sont vraiment désolés, mais le son n'est pas idéal pour l'interprétation. Ensuite, donc, le slide suivant, activité planifier le calendrier, finalisation du développement du cadre et du boîte à outils juin 2021, dissémination du cadre et de ces boîtes à outils au niveau du pays septembre 2021. Nous sommes en partenariat de test pilote, ensuite le renforcement des capacités sur la formation à distance. Ensuite, la consultation a été faite avec l'UNESCO. Les normes, les bien public, etc. Prochaine diapositive. Alors, les leçons apprises pour améliorer le CIJ dans la région. Donc, en fait, soutien des ministères, comment intégrer la formation et comment le travail est soutenu pour qu'il y ait une durabilité du CIJ. Merci beaucoup et je serai tout à fait heureux de répondre à vos questions si besoin. Merci beaucoup. Vous êtes bien resté dans les temps impartis. Je vous remercie pour l'excellent travail réalisé dans cette dernière région africaine. Il est bon de savoir que les CIJ, là-bas, viennent appuyer non seulement la prise de décision, mais également l'enseignement au sein des écoles. J'ai maintenant le plaisir d'inviter la dernière intervenante de l'UNESCO. Il s'agit d'intervenante de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, Dr Sylvia Montoya, directrice de l'Institut des statistiques de l'UNESCO. Monsieur Salanja Sijel va nous donner cette présentation. L'UIS, c'est la star de l'UNESCO. Les statistiques, les données, tout ceci provient de l'équipe dirigée par Dr Sylvia Montoya. Je vous donne la parole. Vous avez 10 minutes pour cette présentation. Merci beaucoup, chers amis. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver et de parler des statistiques qui sont au cœur de notre travail. Nous aimerions partager certaines des conclusions qui nous aident à mieux comprendre le système de gestion. Nous avons suivi un processus qui fait partie d'un effort déployé par l'UIS. Il s'agit de fournir des informations pour l'ODD4. Nous avons également posé une question de recherche pour comprendre ce que font les systèmes de gestion d'information à l'heure actuelle, quelles sont les informations qu'elles collectent, et l'on
constate que ceci vient éclairer les conclusions des collègues de l'UNICEF et du partenariat mondial. Voici les résultats d'une enquête de métadonnées, ce que nous avons fait en Afrique. L'unité d'enregistrement des données est essentielle pour voir quelle est l'unité statistique, école, étudiants, enseignants. C'est très important de comprendre cela. Les plateformes de gestion des données, le mode de collection, l'utilisation d'identifiants, élèves, enseignants, écoles, pour comprendre comment tout cela communique, mais aussi comment cela évolue au fil du temps et si l'on peut faire des séries sur le long terme en utilisant les mêmes identifiants, qui est responsable de ces identifiants au sein des ministères et du gouvernement. Les données historiques sont essentielles pour comprendre les tendances. Cela permet également aux partenaires de développement d'investir dans les pays et de voir s'il y a des chevauchements dans nos efforts d'aide aux pays. Passons maintenant à la diapo suivante. Une diapositive très rapide. Nous avons envoyé ce questionnaire à plus d'une centaine de pays. L'équipe est encore en train de collecter des données des pays qui n'ont pas encore répondu, mais nous avons une bonne représentation régionale qui nous permet de faire des inférences, des conclusions et d'être représentatif d'un point de vue statistique par rapport aux tendances émergentes qui ressortent de ces données. Une vision instantanée. Si vous allez sur le site, vous trouverez des informations très intéressantes qui ont été dans les recherches qui ont été menées par notre collègue Monsieur Chalendra, qui est ici avec nous. Il y a un certain nombre de plateformes qui sont élaborées par les pays eux-mêmes, des logiciels utilisés par StatEduc qui ont été déployé par UIS. Dans certaines régions, en particulier dans le Pacifique, on a pu constater que certains pays utilisent cette plateforme. Ici, on peut voir le mode de collecte des données. La plupart des pays utilisent le papier, des modes électronique ou des interfaces en ligne, mais on va utiliser peut-être une méthode pour un niveau, une autre méthode pour l'autre niveau. Ici, on peut avoir une idée de la façon dont les données sont collectées. Au niveau des écoles, l'information qui est collectée la plus communément, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on collecte les mêmes variables. Il s'agit en tout cas des données qui, depuis des décennies ou même des siècles, sont collectées au sujet des caractéristiques des écoles. Pour les enseignants, il est plus difficile de trouver ces informations dans les systèmes, dans certaines régions. Les données au niveau des élèves, à ce niveau très détaillé, très difficile à trouver pour certaines régions. Seul un quart des pays en Afrique collectent des données au niveau étudiant, au niveau individuel, ce qui permet de faire les liens sur l'interopérabilité avec les autres services, des services très importants. En lien avec la pandémie, et puis il y a d'autres services qui doivent être fournis, tels que ceux qui ont trait à la nutrition. Il est important d'avoir ces données au niveau individuel, au niveau de l'étudiant, puisqu'il s'agit d'une source d'information très importante qui nous permet de comprendre ce qui se passe
au niveau du pays. Sur la question des identifiants élèves, c'est une question très importante en lien avec la santé, l'apprentissage et la nutrition. Il est important d'avoir ces informations si on veut assurer un suivi et avoir un système qui nous permette d'identifier l'abandon scolaire précoce. Il est donc vraiment important d'avoir un identifiant pour les élèves. Les responsabilités sont divisées dans certains pays. Dans certains pays, cela a tendance à changer. Cela change d'une année sur l'autre. Même si l'identifiant existe, parfois ils en ont 6 ou 7. Les identifiants des élèves générés par le ministère de l'Éducation, pour certains pays, dans d'autres pays, il s'agit d'identifiants qui sont liés avec la fourniture de l'éducation et d'autres services autres que l'éducation. Mais pour les populations les plus à risque, nous savons qu'il est très important d'avoir une approche globale pour permettre d'être présent au niveau de l'éducation. L'information très riche, on voit les tendances historiques. Les pourcentages parfois chutent quand on essaye d'établir les tendances et la façon dont on les génère au fil du temps. Vous avez 2 minutes. Je ne prendrai pas plus longtemps. En ce qui concerne la classification des pays, Chanandra répondra à vos questions. Donc, quelles sont les bonnes nouvelles par rapport aux questions que nous avons traitées, interopérabilité, identifiant des élèves? Plus de la moitié des pays ont répondu à notre enquête. Les systèmes, certains ont de bons systèmes de gestion de la formation, mais la moitié ont beaucoup de difficultés. Et ce qui nous reste à faire, c'est de faire en sorte que chacun passe au niveau supérieur de développement de leur système. Voici nos recommandations en 2 minutes. Collecter des données en temps réel à partir des écoles, c'est un défi. Il est très difficile d'avoir des données directes des écoles. C'est un défi en particulier pendant la période de crise Covid, comme l'ont dit les collègues du Partenariat mondial et de l'UNICEF. Il est important que tout ceci soit intégré au système. L'opérationnalisation intégrée des sujets et des données individuelles, il faut prendre exemple sur d'autres systèmes, en particulier la santé, pour s'assurer que ces sources d'informations soient bien intégrées. La capacité institutionnelle et individuelle, eh bien, il s'agit là d'une question très importante pour l'investissement, l'investissement dans les sujets, comme vous pouvez le voir dans le rapport, pourrait être mieux coordonné. Collaborer dans les plateformes de partage des connaissances. Nous avons lancé le site EMIS. Nous avons des exemples dans le guide opérationnel qui ne viennent pas de l'équipe UIS, mais qui viennent des pays. Nous avons essayé d'intégrer ces exemples. Il faut échanger notre expérience, nos connaissances et comprendre ce qui s'est passé au niveau du système afin de nous aider à évoluer. Puis, mettre à jour les sujets en utilisant de nouvelles technologies, c'est quelque chose qui a tout à fait été intégré
suite à la crise Covid, mais nous voyons que tout ceci doit continuer d'évoluer. Je vous remercie, je remercie en particulier Shailendra qui a été le leader de cette équipe. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Shailendra, vous avez 2 minutes si vous souhaitez prendre la parole. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Certains pays ont des systèmes multiples. Certains pays utilisent la moitié, font les enquêtes sur papier et d'autres écoles font les enquêtes sur support électronique. Donc parfois, c'est cette approche mixte. Donc parfois, vous avez plus de 100% et il faut tenir compte de cela lorsque vous interprétez les résultats. Je vous remercie. Je remercie tous les intervenants. L'on m'a dit que nous devons maintenant nous interrompre et je vais redonner la parole à notre modérateur, JC, pour les mots de la fin. Merci beaucoup pour votre modération très efficace de cette session qui était très intéressante. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour résumer la discussion. Juste quelques points. Nous avons commencé aujourd'hui en ouverture de parler du rôle critique important des données pour soutenir la reprise et de renforcer la résilience des systèmes éducatifs dans le contexte de réimagination du système éducatif.